Now shifting our focus to France, where in Paris, hundreds turned up to protest against a bill which they say curbs religious freedom. Activists demanded that the French government abandon a bill which aims to root out Islamist extremism. Protesters say it could trample on religious freedoms and turn all Muslims into potential suspects. Now activists also say that the bill stigmatizes the country's second largest religion, even though the majority of French Muslims do not espouse extremist views. Le projet de loi tend à finalement criminaliser, en tout cas rendre suspect, tout citoyen de confession musulmane en fonction de sa pratique. Ce qui, du coup, est vraiment une loi d'exception dans la République. Et là, par rapport à ça, effectivement, on peut s'inquiéter de l'état de droit. On peut vraiment s'inquiéter de ce qui est en train de se passer. Et si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'a rien à voir avec cette lutte-là. Au contraire, elle ne va que l'aggraver, elle ne va que l'amplifier. Elle va amplifier des colères. Et c'est très dangereux. Cette loi n'est pas faite, comme le laisse croire le gouvernement, pour lutter contre les violences. Eux-mêmes l'ont dit, ils veulent encadrer le fait musulman. Par exemple, une charte des imams va encadrer la liberté d'expression des imams. Si un imam, par exemple, dénonce une islamophobie d'État ou encore des injustices, il peut être viré, perquisitionné du jour au lendemain par le ministère. Si, par exemple, un musulman, demain, avec cette loi, ose s'exprimer, son association peut être dissoute. Now, lawmakers will hold a key vote on Tuesday on the draft law, which is expected to win approval in both houses of the parliament. The legislative debate comes amid lingering fears of extremist violence witnessed by France in the past year. Now, President Emmanuel Macron's centrist government argues that the bill is needed to protect French values like gender equality and secularism and to prevent radical ideas from taking root and inspiring violence. Aussi, la part de risque et d'erreur.